comme ça, ça je vais virer, ça je vais mettre comme ça, et normalement, ah où est-ce que je suis moi? Ah là je suis là. Alors en espérant que cette mise à jour va, voilà. C'est ça, ça y est, c'est parti. Ah, toi aussi, t'as reçu le message? Ouais. Ah, j'ai mon petit point qui s'est affiché, c'est bien. Il vient de se mettre. Ouais, bah normalement, j'ai eu des mises à jour sur les deux applications, donc théoriquement, ça devrait, j'espère, mieux marcher cette fois-ci. Ou alors, moi, ça va encore planter. Avant, je ne les avais pas. Oh non, mais c'est galère, les moments. C'est galère. Alors, hop, on va se mettre un petit peu de sound quand même. J'aime bien avoir un peu de son. Bon, on va commencer par s'échauffer un peu tout. Allez. Hop. Salut les amis, c'est Bigou, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu sur l'intitulé de la vidéo, nous allons aujourd'hui voir pour comment télécharger Tank Company. Alors, j'espère en tout cas que le stream ne va pas planter, parce que comme vous le savez, entre le stream et YouTube, ça merdouille un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que pour attendre qu'il y ait un petit peu de monde, on va se faire une ou deux games vite fait. Et après, je vais vous montrer comment comment télécharger le jeu sur iOS. Malheureusement, ceux qui seront sur Android vont être un petit peu déçus, parce que pour l'instant, je suis que sur iOS et pas sur Android. Mais ça, c'est la première étape, on va dire, la plus facile. Je tiens à saluer les premiers qui arrivent ce soir, comme salut Ben Gamma, je sais pas si je prononce bien ton pseudo, désolé, mais en tout cas, salut à toi. Augustin, bien le bonsoir. Mon Pierre, bonjour, qui me dit coucou. Salut mon Fabrice, ça me fait plaisir de te voir. Et d'ailleurs, il va falloir que je te téléphone pour avoir un petit peu plus de nouvelles, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas eu au téléphone. J'espère en tout cas que toi et madame, vous allez bien. Tu pourrais faire aussi pour Android, s'il te plaît. Bah justement, Ben, je vais voir plus tard. Je peux pas te garantir, parce que je pense que sur Android, tu pourrais peut-être sur APK. En APK, pardon. Excusez-moi. Alors, oui, non, justement, Fabrice, justement, tu dois être un petit peu déçu. Comme vous pouvez le voir, il est toujours en chinois. Malheureusement, salut mon Gilou, comment tu vas? Salut N. Donc, malheureusement, il va y avoir des déçus. Non, le jeu n'est pas encore sorti. En tout cas, chez nous, voilà, il est sorti sur le serveur chinois, donc Bondour. C'est pour ça, comme je dis, Augustin qui me dit ça a planté. Ouais, donc là, malheureusement, c'est un peu galère. Alors, on va attendre que l'application se mette à jour. Hein. Je pense qu'il y a un petit délai. Alors, attendez, ce mot, je sais pas. Là, je suis en train de vous parler et puis regarder vos messages, mais je n'arrive pas à me concentrer. Surtout que nous, on est inerti, donc on va peut-être pas faire le con. Ou même. Allez, par là. Mais bon, alors, la première étape pour comment le télécharger, c'est une étape qui va être assez simple. Le plus compliqué sera la suite et malheureusement, je n'aurai pas d'astuce pour le moment. Pour ça, comme je dis, le télécharger reste une facilité entre parenthèses. Mais pour après y jouer, ça va être encore une autre galère. Sachant que... Toi, attendez, je me concentre... dans tes dents et tu brûles. Oh, ça c'est beau ça. Ouh, c'est beau ce que t'as pris dans tes chicots, toi. Mais voilà, parce que comme vous le savez, hein, les Chinois Bondou. Oh, par contre, j'ai intérêt à faire gaffe parce qu'il y a un léger qui est là. Les Chinois sont assez. Lui, je crois qu'il va venir me chercher. J'ai intérêt de vite. Les Chinois sont assez durs. Attendez, excusez-moi. Je vais. Hop. Boum, raté. Dommage. Ah, attendez, je vais faire ça. Au niveau de leurs lois, sont un peu plus strictes que chez nous, donc pour après y jouer, c'est une galère. D'ailleurs, je remercie encore une fois de plus Yuri qui a pu me permettre de pouvoir y jouer. Attention. Bam! Allez, mangeaille ça, vilain. Mais bon, je vais tout vous montrer après. On va essayer déjà de se faire une petite game, histoire que tout le monde arrive. Allez, toi, en plus, tu bouges pas, c'est parfait. Je pense que... Ah, si, tu tires. Non, c'était... Attends, reste là, copain. Copain, reste là. Bam, dans tes dents. Allez, hop, 264. On passe au suivant. Ok, pour l'instant, nous, c'est bon. Toi, bon, je pense que tu vas mourir. Voilà, parfait. À ton tour, à toi. À Beuillant, tu vas morfler. Ouh. Attention. Hop, faut que je recule un peu. Attention. Et... Bam! Allez, touché. Alors par contre, le truc que vous aurez besoin aussi malheureusement pour y jouer, et ça c'est une obligation, vous aurez besoin d'un VPN.
Donc ça aussi, ça va être une contrainte pour pouvoir y jouer. Donc en fait, il y a plusieurs contraintes sur ce jeu-là si vous voulez vraiment y jouer. Oh, regardez-moi ça, un trio. Allez. Ça, c'est bon, ça. Oh oui, les gars, restez collés. J'aime bien quand vous êtes tous collés comme ça. Par contre, toi, tu restes là, surtout. Fais pas le con. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Non. Oh, un cucu. Oh, un cucu. Non, reste là. Attends, arrête de bouger. Arrête de bouger. Allez. Oui. Merde, ça, par contre, c'est pas cool. Lui, il va me déglinguer. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lui, là. Ah, il faut le faire en urgence. Il va me déglinguer, sinon. J'ai pas de blindage, j'ai rien. S'il vous plaît. Help me. Il est où? Attendez, il est où? Il est là. Ah, c'est bon. Il me regarde pas. Oh, mais en plus, il se retourne. Ok, on va attendre qu'il soit spoté. Voilà, ce que j'aurais tiré dans le vide. Allez, plante. Allez. Alors, attendez, je vais me replacer. Je parle bien français. Mais... Est-ce que j'aurai le temps de recaler une petite dernière dans le cucu? Ah, peut-être pas. Ah, je vais tirer au pif, attention. Allez, je tente. Allez, je suis sur le bouton de tir. Eh ben non, et en plus on l'aurait eu, c'est dommage. Bon, il n'en reste plus qu'un. C'est marrant, il faut que je sois en live pour faire une belle partie avec cet artiste, c'est cool. Hop, alors t'es où toi? Toi t'es là-bas, et Beuillant, tu vas morfler. Oh, va pas me dire que je vais pas avoir le temps. Non, il est à moi. Il est à moi. Il est à moi. Oui. Oh, joli. Oh, ça c'était beau. Ok, bon, on a bien géré avec Carty, ça fait plaisir. Donc, alors attendez, je vais regarder quand même vos messages. Donc, salut Cochot 2006, Augustin, ça a planté, qui dit oui, donc voilà. Il y est sur Android, donc Awa, bonsoir à toi. Je pense que sur Android, vous pouvez aussi le choper, hein. Y a pas de souci là-dessus. Alors attendez. Tac, donc ça c'est. Allez, on bien. Ah oui, en fait, il y a des équipes en face. Ok, ok. Oui, alors maintenant, on va voir comment le télécharger donc chez nous. Vous avez vu un petit peu, c'est simple. Alors, on va faire ça. Tac, donc on va partir sur le Discord. Alors malheureusement, comme je le dis et je répète, ça sera uniquement pour iOS. Et regardez bien les étapes. Donc, j'avais partagé ça sur mon Discord directement. Donc, comment télécharger Tank Company sur iOS. Donc ça va être la première étape. Donc, pour télécharger Tank Company sur iOS, il est conseillé de ne pas utiliser votre identifiant d'Apple personnel. Vous pouvez utiliser d'un compte qui ne vous a pas que vous n'avez pas de données personnelles iCloud. Pour télécharger le client, nous devons changer de la région du magasin, ce qui est normal parce que c'est un jeu chinois. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Accédez donc à l'Apple Store en cliquant sur votre compte dans le menu en haut à droite, puis cliquez sur le premier élément avec vos données ci-dessus. Donc, je vous montre l'image. Alors par contre, c'est un peu con parce qu'en fait, on a le contraste qui est noir sur du noir. Donc, c'est un peu galère. Une fois que vous allez sur votre compte, hein, vous allez après cela dans l'onglet « Pays et régions », tout simplement. Voilà. Donc, je vous laisse un petit moment. Si vous voulez screener en même temps, hein, ça permet de pouvoir vous le mettre de côté pour ceux qui sont sur iOS et qui voudront le faire plus tard. Ensuite, nous allons dans... Une fois que vous aurez cliqué sur « Country et régions », vous allez sur « China ». Mindland, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, on est content, on aime bien les teams, moi, nous. Hein, voilà, donc vous screenez ça. Et ensuite, vous acceptez les conditions. Bon, ça, tout le monde hein, qui ont Apple ont l'habitude d'accepter. Donc, vous cliquez sur Agree. Oh, comment je parle bien anglais, c'est magnifique. Vous agreetez encore une fois, absolument. Alors, bien sûr, hein, pour faire cette manipulation-là, pour l'instant, on n'a aucun VPN, on n'a absolument rien installé. Hein. Là, c'est vraiment pour essayer de télécharger le jeu. Ensuite, donc, ils vont vous demander un moyen de paiement, ce qui est logique. Hein, donc, vous mettez « None ». Absolument, ça va, c'est pas trop dur à dire, ça, « None hein, ». Donc, ça veut dire « Aucun paiement ». Dernier point, complétez une adresse de facturation inexistante pour la première lettre. Écrivez, donc, « Hein, donc, voilà, je vais vous montrer directement. Donc, vous allez mettre ça. Alors, attendez, parce que ça, en fait, j'ai dû mélanger. Voilà l'adresse. Voilà ce que vous mettez. Donc, après, en surnom, hein, vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce nom-là. Vous en mettez ce que vous voulez. Ensuite, au niveau... que je ne dise pas de conneries. Alors, attendez, c'était ouf. Donc, pour la street, bah, en fait, voilà, vous regardez un petit peu. Au pire, vous recopiez directement. Hein, directement, vous allez avec ça. Hop, attendez, excusez-moi. Il est où? Il est là.
Voilà, donc bien sûr, ça sera 100% en chinois, ce qui est logique hein, si vous cherchez à le télécharger, le jeu. Donc voilà, il est là. Donc nous, pour le chercher, c'est simple, ce que j'ai fait, parce que bon, marquer le nom en chinois, c'est assez difficile, moi personnellement, j'ai pas réussi. J'ai tout simplement cherché un jeu qui contenait le fameux logo, donc, le fameux logo là que vous voyez, là, les espèces de traits, hein, donc il est là. Et après, vous allez directement sur tous ces jeux, directement, donc voilà le développeur, j'allais dire le créateur, donc c'est le développeur, le créateur, hein. Tiens, va voir avec maman, s'il te plaît. Et vous allez voir, donc le jeu sera... Et on a même du World of Tanks, j'avais même téléchargé World of Tanks Blitz en version chinoise pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et le voici, il est là. Donc apparemment il ne serait pas en version bêta chez eux, il serait en version officielle, voilà, directement. Et à partir de là, vous pourrez déjà le télécharger. Voilà, il fait quand même 3,8 Go, sans compter ce qu'il y aura à l'intérieur. Le voici, le voilà. Hein. Donc après, vous avez tous les trucs. Mais ça, on va dire que c'est la première étape qui va être assez facile, entre parenthèses, parce qu'après, le plus compliqué, ça sera de créer votre compte. Et ça va être une vraie galère. Donc j'essaierai de voir, au pire, j'essaierai de voir avec Yuri si on peut essayer de faire une suite. Par rapport à ça, parce que le télécharger, c'est assez simple. Mais après, pour y jouer, ça, c'est une autre galère. Comme je le dis et je me répète, vous aurez systématiquement besoin d'un VPN pour y jouer. Donc moi, j'ai soit chez Shuaji, pardon, Speed CN, pour pouvoir jouer. Si vous n'avez pas de VPN, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Donc c'est assez galère par rapport à ça. D'ailleurs, moi, je vais me prendre celui-là. Et à partir de là, une fois que vous avez votre VPN et surtout créer votre compte, parce que ça, le compte, ça va être le plus gros boulot à faire pour y rentrer. Alors après, j'essaierai de voir sur Android si je peux essayer de faire quelque chose. Je pense qu'en APK, il peut être téléchargeable ou alors sur TapTap, on le trouve. Sur iOS, c'est plus compliqué parce qu'il ne nous lance pas directement dessus. Il faut créer le compte chinois ou alors ce que vous faites, vous créez votre compte chinois et après, vous allez sur TapTap et il vous balancera directement sur le jeu. Voilà. Après, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, attendez, je regarde. Donc, salut mon Théo. Dommage que l'on ne puisse pas le télécharger sur Android. Si, si, je pense que sur ton Android, tu peux le télécharger. Hein. Après, faut le chercher en APK, hein, comme je le dis. Alors, Patrick, c'est quand que l'on pourra jouer sur ton compagnie? Est-ce que vous avez des informations? Bah, justement, non, pour l'instant, aucune information. Donc, ils nous parlent qu'ils vont débloquer des serveurs, en quelque sorte, c'est des serveurs test qu'on pourra s'inscrire. Mais pour l'instant, encore rien d'officiel. C'est vrai qu'ils sont assez, assez prudents là-dessus. Salut Claire! Salut Slizox, pardon, excuse-moi si je prononce mal ton pseudo. écoutez, j'espère que je vais faire une aussi bonne partie qu'avec l'arty, ça serait cool. Salut, que ce soit sur iOS ou Android, faut-il un VPN? Oui Jeff, tu seras obligé d'avoir un VPN pour avoir accès au serveur. En fait, je pourrais te montrer hein, directement, mais si tu n'as aucun VPN, une fois que tu te seras inscrit sur le jeu, malheureusement, ils te refuseront l'accès et tu n'auras aucun serveur d'ouvert. Salut Ethan, ça va très bien, et toi? Attendez, parce que moi je me gratte l'œil et voilà. Voilà, c'est ça de vouloir tirer trop vite. Oh boy, il s'est fait déglinguer lui. Alors, toi, tu vas en prendre une, je pense. Oh oui. Oh yeah. Donc en tout cas, comme vous pouvez le voir, on est à 300 de ping, hein, mais alors le jeu, il reste au toit. Il reste fluide. Bon, à part quand vous avez des grimpettes à plus de 400, là, ça commence à devenir assez problématique. Mais sinon, à 300 de ping, ça reste super jouable. Et c'est pour ça que j'avoue, je kiffe ce jeu. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons ce magnifique Tiger 2. En plus, les chars sont hyper bien modélisés. Donc franchement, ça en jette un max. Je vous cache pas que depuis que je suis sur ton compagnie, j'ai un petit peu abandonné Watt Blitz. Auto. Piou ! Hop là, allez hop, next, on passe au suivant. Oh merde. Théoriquement, oh toi tu vas être pas pour moi parce que tu t'es fait déglinguer et il y a un Tiger 2 qui est en face de moi. Ok, alors attendez. Vite. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir de son.
Ah, par contre, ouais, le jeu a planté au niveau du son. Il faudra que je me remette du son. Je sais pas si vous m'entendez. Alors. Donc, il faudra que je relance au moins le jeu. Parce que là, le jeu au niveau du son a planté. Par contre, j'ai intérêt de faire vite parce que sinon, c'est eux. Allez. Salut. Piou. Alors en fait, je vous cache pas les amis, sur le Tiger 2, j'ai pas mis le plus gros canon, parce qu'en fait, je suis pressé d'avoir le E-75, un char que j'adore. En plus, sur ce jeu-là, il est juste magnifique et mortel une fois qu'il sera full. Toi, t'es pour moi. Donc là, j'avoue, j'ai mis le plus petit canon, mais quand c'est des T-28, c'est assez merdique pour les déglinguer. Par contre, toi, il faut faire vite quand même. Ouais, de toute façon, tu peux essayer d'angler ça. Et il va essayer de me la coller au niveau de la tourelle de char, non. Hop là, tu sors. Non, tu vas te faire déglinguer. Eh ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Ah oui, alors ça, ça va être chiant à percer ici. Wouhou. Ah, il va essayer de choper ma tourelle, c'est sûr. Ah. Par contre, si tu peux juste dégager toi derrière moi, là, en fait, ça serait cool, parce qu'en fait, tu me coinces et ça, c'est pas cool. Ah, gagne-le. Ici. Salopard, mais casse-toi, toi, tu me coinces, andouille. Oh, mais... Ah, je me demande si c'est pas un bot, ça. Toi, t'es un petit malin, toi. Je sais ce que tu fais. Ah, attendez, parce que là... Voilà. Ah oui, c'est un bot. Certainement. Il va se foutre devant moi. Hein. Eh, c'est un truc de malade, quand même. Hein. Bon. Je suis dans la merde. Ah oui, clairement parlé, je suis dans la merde. En plus, j'ai pas un char qui fait super mal. Quand vous le voyez, 201, je vais mourir... Je vais essayer d'angler, mais là, j'y crois pas du tout. Ouais, là, on est... Là, ah ouais, je suis foutu, là. Je suis foutu. Il va essayer de choper mon tourello. Je vais essayer d'y déglinguer le sien. Voilà. Ah, par contre, faut venir m'aider, les copains, là. Non, je peux pas le percer, ici. Je peux pas le percer. Bon, il est pas sur moi, lui. Allez. Ouais, bah, c'était sûr. Ouais, il y avait un moment. Voilà. Alors, bon, le problème, c'est que voilà. Ah bah, pff, il s'est coincé. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est marrant sur Tank Company que nous n'avons pas sur Blitz. Hein. Tu peux te retourner. Voilà, bon, là, le mec a planté ou bah, il s'est fait déglinguer. On a aussi, et ça, c'est vachement cool, les caractéristiques des joueurs par rapport à ce qu'ils font, à ce qu'ils ont donné, à ce qu'ils ont reçu. Bon, YouTube plante trop, des gros bisouilles. Ah bah oui, mon frère, ouais, c'est merdique, là. Pourtant, ils ont fait une mise à jour, mais je sais pas ce qui se passe. Bon, moi, en tout cas, je vois que ça plante pas, parce que je suis en dire... Il a réussi à rater ça, lui. Il est sérieux, là. Ok, bon, bah, c'est la fin de vie. Et en fait, notre Artie a fait quoi depuis tout à l'heure? Pourtant, il est rechargé. Ah, faut y aller, mon copain. Oh, ça, c'est bien. Il va se faire déglinguer. Ah, maître du village, ouais. J'adore les joueurs qui, voilà, ils sont focalisés sur un truc, ils font pas gaffe à côté. Bon, ben voilà. Théo qui dit, pourquoi tu peux croiser des bots? Oui, salut Nico Gamer. Ouais, tu peux. Bah oui, il y a beaucoup de bots hein, sur le jeu, hein, suivant l'heure, parce qu'il faut pas oublier, c'est que on a un décalage par rapport à l'heure chinoise. Hein, on a 11 heures de décalage. Donc là, chez eux, actuellement, il est 4h du matin. 4h15, même pour être précis. Donc, t'as beaucoup de bots à cette heure-là. Bon, par contre, je vais relancer le jeu parce que j'ai pas de son et ça me plaît pas. Donc, voilà. Donc, je vous montre indirectement. Voilà un petit peu ce qui s'était passé. On s'est fait déglinguer comme un porc. Et d'ailleurs, je vais regarder un truc. J'en suis où sur le 75? Il est là. Regardez-moi cette bête. Il est juste mais magnifique. Oh, il est trop beau. Bon, attendez. Alors, par contre, je vais faire un truc. Je vais relancer mon jeu parce que j'ai pas de son et ça ne me plaît pas. Donc on va faire ça, ça et ça. Voilà, ça sera mieux. Donc voilà, comme je dis, il faudra impérativement donc un VPN. Une fois que vous l'aurez téléchargé, le jeu, il vous faudra systématiquement un VPN. Sinon, le serveur chinois ne sera pas ouvert. Vous serez vraiment obligé d'en avoir un. Une fois que vous avez, de toute façon, vous le verrez bien. Si vous n'avez pas de serveur, donc si vous êtes ici, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit rototo qui arrive. Voilà, excusez-moi, c'est pas propre, mais il fallait qu'il sorte. Si vous n'avez pas de serveur d'ouvert, c'est que votre VPN n'est pas bon, donc forcément, c'est logique, hein, si vous n'avez pas de,
de VPN chinois, ça ne marchera pas. Hein. Si vous mettez un VPN, je vais dire une connerie peut-être, en Allemagne, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, voilà, ça y est, il y a du son, c'est mieux. Ouais, donc comme je vous disais, hein, mon Tiger n'est pas à 100% en termes de canon, voilà. Il y en a deux et c'était surtout celui-là, donc lui il fait vraiment plus mal, il est un petit peu plus long, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir mon E75. Donc ça va qu'on a également des aides pour justement monter la branche, donc c'est pour ça, je vous cache pas que je farme comme un porc. Je vous montre un peu, je suis à 949 batailles, je lâche plus le jeu en fait. J'adore. En plus là il y a un événement pour essayer de choper le fameux type 59, donc il faut faire des dégâts pour pouvoir... Je vous raconte pas, bon je l'aurai pas, hein, c'est clair et net, sinon il faut que je passe ma vie dessus. Et on va dire que j'ai aussi une vie un petit peu privée, donc ça je récupère. Voilà, donc les passes de combat hein, qui sont comme dans Blitz. Ça ne change pas. Voilà, tac et tac, tac et tac. Ah il faut peut-être que je récupère aussi le pognon, parce que ça le pognon on en aura besoin. Donc voilà, donc ça c'est ok, bah donc on va y repartir avec. Mais voilà, comme je vous dis aussi au niveau des détails des chars, c'est vraiment rien à voir comparé à Blitz. Il y a ça aussi, quand on voit juste un truc tout bête au niveau des roues. Regardez bien au niveau des roues, on voit bien que c'est ouvert au niveau des trous. C'est vraiment, tout est vraiment bien détaillé, et même quand on joue au jeu, alors pour ceux qui arriveront à le télécharger, vous verrez que le comportement des chars n'ont rien à voir. On sent vraiment le char qui est lourd, il est pâteux, c'est des moments difficiles même à manier. Et c'est vraiment ça qui est best-of, quoi. Et c'est surtout ce qui est impressionnant comparé à Wattbeats, c'est qu'au niveau du ping, on est à quasiment 300 de ping, mais ça reste hyper jouable. Alors que sur Blitz, dès que tu dépasses les 100 de ping, ça devient une galère monstre. Et là, c'est vraiment impressionnant par rapport à ça. En plus, on a le régulateur, donc ça, c'est génial. Franchement, mais on a plein de petits détails qui font que le jeu est tout simplement génial. Et je vous cache pas que moi, franchement, eh ben, je le lâche plus. Salut, moi, Astérix. J'espère que tu vas bien. Attendez, parce que moi, je vais faire le con et je vais me planter. Là, je peux pas descendre ici. Donc, j'ai intérêt à faire vite, je vais me faire détecter. Et voilà, je vais m'en prendre plein la tronche. Allez, je croise les doigts. Est-ce que ça passe ou j'en prends plein la gueule? Allez, dépêche-toi. Ok, c'est bon. Bon, on est passé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me mettre là? Alors par contre, c'est pareil, ce que j'ai remarqué, c'est que bon, l'équipage met beaucoup plus de temps que sur Blitz à monter. Hein, c'est énorme, parce que là, vous avez vraiment chaque équipage, enfin, chaque personnel... Toi. Bah, me toucher, là c'est... Ah la vache, salopard, il m'a foutu en feu direct. Ah j'ai pas la dépression là, je suis dans la merde. Bon ça va, j'ai réagi assez vite, tant mieux. Mais là le problème c'est que... faut que je me place au... Il faut que j'attende par contre que ça se répare, parce que là je ne peux rien faire et j'ai mon canon qui est faussé. En toi. Ah, faut pas... Oh, ça, c'est un bot, ça. Ah oui, c'est un bot. Allez. Ah, puis regardez, vous avez vu ce réticule qui reste vraiment sur le char. Bon, là, forcément, je l'ai pas touché parce que j'ai tapé une pierre, hein, ce qui est logique, et la pierre qui est derrière. Ici, je peux. Bon, j'ai ça, vilain. Alors, par contre, pour les Anglais, c'est assez difficile. Oh, bon, il s'est fait déglinguer. Je pense que ça serait bien, toi. Non, il a reculé, salopard. Allez vite là, que je puisse réparer là. Parce que mon canon il est faussé, j'aime pas. Allez, dépêche-toi. Allez. Voilà, c'est bon. Canon opérationnel. Ici, toi. Non ! Oh là, j'ai tiré à l'ouest. Bon, tu me diras, là j'ai voulu tirer assez vite. Par contre, lui il m'emmerde. Ah, ça y est, l'artie elle est sur notre tronche. Attends, je vais faire ça. Je me demande si c'est pas un bot, notre cher copain, là. Parce que vu comment il se place et il se montre... Allez. Ah oui, je l'ai touché. Ah, ils sont deux, par contre. C'est quoi, ils nous prennent un revers, là? Non, je peux pas l'avoir.
Si. Alors toi, faut que j'arrive à te déglinguer, toi. Oh, qui con ! Oh, je suis trop bête. Je suis trop bête. Allez, je vais tenter. Il y a là. Allez, t'es pour moi. Oui. Ah, puis ce qui est bien, c'est que sur ce jeu-là, les carcasses... Oh merde, oh la vache, l'autre, il m'a transpercé. Ah, il est rentré d'un coin, il est ressorti de l'autre, dis donc. Pas cool. Par contre, toi, enfin, j'essaie de te choper. Ouh, attends, je vais essayer de me faire lui avant. Non, il a reculé, salopard. Je fais gaffe, parce que j'ai le Tiger qui m'enjoue, en fait. Donc lui, je vais éviter. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, on commence à apprendre la langue chinoise. Donc ça, c'est génial, au final. Allez, je vais tenter un blind. Ici. Facile. Ah bah j'ai raté mon tir. Allez, il pour nous. Non, je vais taper dans la pierre. Dommage. Le problème c'est que c'était le seul qui pouvait nous spotter le T-44. Et maintenant... Oh, l'artie qui m'a déglingué. Oh les salopards. Ah, je me suis fait déglinguer par l'artie. Oh le chouin. Bon, bah écoutez, hein, voilà, on s'est fait déglinguer, ça arrive. J'ai une question à propos... Alors, salut à toi, Sly, enfin, Ro, du moins. J'ai une question à propos de votre Blitz. Dans la boutique, il y a des coffres bleus et violets. Je ne peux pas les acheter avec du gold. C'est normal ? Non, j'ai envie de te dire, c'est pas normal. Donc, est-ce que déjà, question bête, as-tu les gold nécessaires ? Ou tout simplement, est-ce que ton compte ne serait pas bloqué par rapport aux achats ? Voilà, là je peux pas te. Je peux pas t'en dire plus. Mais bon, oui, alors c'est pareil. Salut Bamax. Pardon, excuse-moi, j'ai écorché ton pseudo. Bamax, excuse-moi. Bonsoir à toi. Alors, Enzo qui dit pourquoi le sang a une tourelle de mousse. Bon, alors là, Enzo, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est pas moi qui a fait le jeu, donc. Mais je sais. Alors. Ça paraît peut-être con ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression qu'au fait, les chars qui sont sur Tank Company ont l'air encore plus réels, ou du moins de leur design, par rapport à Wild Beats. Ça paraît con, mais c'est la sensation que j'ai. J'ai l'impression qu'ils ont poussé vraiment le vice sur les détails comparé à Blitz vraiment plus loin. Déjà, ce qui est bien, c'est que le Tiger, le fameux Tiger 1 que nous avons sur Wild Beats et que là, on a sur Tank Company, bah lui, les Warriors, elles sont maintenues. Ils ont vraiment se balayé. Quand vous regardez vraiment les détails du char, même au niveau des roues, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, il y a plein de petits trucs qui rend le jeu vraiment, vraiment appréciable. Même si, je vous cache pas, des fois, j'enchaîne des défaites, mais... je bombarde. Je crois que cette nuit, j'ai fait... j'ai fait à peu près une quinzaine de parties. J'ai dû faire à peu près 11 défaites. Voilà. Alors, je vous garantis que sur Blitz, j'aurais pété un plomb. Et là, bon, bah, voilà. Ah, salut, Moreda. Oh, toi. Oh oui, don't move. Oh, joli. Oh, bah, alors, toi, t'es venu, t'es parti. Attendez, veuillez patienter. On se remet en position. Oh oui, don't move, copain. Non, non, reste là. Reste là, s'il te plaît. Reste là. Non, mon tir, il est parti au-dessus. Oh, putain, dégoûté. J'aurais pu le déglinguer. Oh, je suis dégoûté. Alors ça, c'est pareil. Des moments, bah, comme on n'a pas l'équipage à 100%, hein, on peut avoir, comme vous voyez, des ratés. Hein. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand vous regardez les tutos, ils vous l'expliquent en disant que même si votre cercle est au plus petit, ça ne vous empêche pas d'avoir des ratés, hein, parce que le cercle... non. Bon, après, c'est comme sur Blitz. Hein, de toute façon, on va pas se le cacher... Toi, je te vois, mais t'es derrière la pierre, mon vilain. Toi, ça sert à rien. Par contre, ce qui serait bien, c'est que tu sortes, toi, le sang-froid, là. Et il va pas sortir. Ah, attention. Oh oui. Don't move. Oui. Oh, ça, c'est bon, ça. Un petit dijouin. Alors... Salut Galaxus, si j'ai vu ton message, t'inquiète, je te réponds juste après, c'est juste que là j'essaie de... top. Attendez, alors lui normalement il est pour moi.
attention, voilà, au plus petit. Bam! Allez, mangeaille ça, vilain! Et vous voyez, hein, je suis à plus de 300 ping, hein. Le jeu, franchement, reste fluide, c'est impressionnant. Oh, toi! Non, reste là, viens là! Alors là, je sens que je vais pas l'avoir. Oh, quoique, je tente. Ah, là, non, tu vois. Par contre, j'ai l'impression que quand tu zoomes, en fait, t'as encore moins de chances de pouvoir les. Alors, Bamax qui dit est-ce que le jeu sera en français? Je sais pas. Bah, je pense, hein, de toute façon, s'ils le sortent chez nous, ils vont le traduire en français. Hein. Mais bon, tu vois, même en chinois, il est. Non, j'ai fait le con! Même en chinois, franchement, le jeu reste compréhensible au bout d'un moment. De toute façon, j'ai envie de te dire, après, tu Google et ton ami. Il est où, lui? Ouais, je vais pas. Ah, quoique. Ouais, il va le déglinguer avant. Ah, peut-être pas. Bon, bah, c'est peut-être pour moi. Oui! Toi. E75. Attends, Cassandra, une petite seconde. Il est pour moi. Attention. Bam! Oh merde, j'ai fait qu'une chenille. Oui, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a des. Il y a des. Des chips, mais en forme de fleurs et de reux. Ouais. Voilà. D'accord. En fait, tu vas dans une casserole. Oui. Et bien grande. Bien grande. D'accord. En fait, t'as des chips qui poussent, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, on va peut-être pouvoir sortir notre terrier. Ça prend très longtemps. Ouais. Bon, bah écoute. Ah, puis regardez les suspensions qui sont vraiment activées et tout. Ah non, franchement, le jeu, bah, il est vraiment top. Puis regardez même cette carte qui est juste gigantesque. Tiens, hop là, il y a un copain qui est là-bas. Puis ces musiques qui sont entraînantes, franchement, quand vous jouez vraiment tout seul, machin, c'est. J'adore cette musique. Oh, toi! Allez, un petit bout ou pas? Oh, bon. Ouais, enfin, si j'arrive à te la coller, je serais vraiment magique. Attention, je vais essayer de monter. Voilà, en plus, ils l'ont traqué, parfait. Allez, je vais essayer d'en coller une. Suspense. Ouais, je vais essayer de tirer là. Oui, c'est passé, magnifique. Alors par contre, le T95 sur ce jeu, c'est un monstre. Hein. Franchement, il a une mobilité de fou, je trouve. Et par contre, il vous déglingue. Alors, je pense à 100%, il vous déglingue. Mais salut BS. Excusez-moi, hein, je prends un petit peu vos messages un petit peu aléatoirement. Oh, puis j'ai le nez bouché, c'est galère. Oh, alors. Non, de toute façon, je peux pas l'avoir, ça sert à rien. Bon, bah allez, on va avancer pour le délire. Bon, même pas envie. Voilà. Bon, une petite victoire qui fait zizi. Alors, donc, Galaxus, bonsoir à toi. Donc, j'ai vu ton message, je te remercie absolument. Alors, fais voir un petit peu. Ouais. Alors par contre, les ARC, ils sont vraiment bons hein, sur ce jeu. Hein. C'est quand je les ai en face de moi, ils m'emmerdent un petit peu d'ailleurs. Je ne vous cache pas. Puis en plus, on l'a gagné, super. Et j'ai fait une partie de MERDE, c'est pas cool. Ah ouais, ah, il s'est gavé, lui. Bonjour, monsieur. Ah ouais, il s'est fait 7 kills, 5000 de dégâts. Donc ça, c'est OK. Tac, tac, tac. Ça, j'accepte. Et puis, bah, ça, je prends aussi. Voilà, ça, c'est bon. D'ailleurs, on en est où? Est-ce qu'on va pouvoir... Alors déjà, je pourrais débloquer presque le 257, mais je vais pas le débloquer tout de suite, parce que je veux pas bouffer mon parce que je veux pas bouffer mon expérience libre. Ah, je vais bientôt pouvoir. Ah, il me manque 600. Donc en gros, il faut que je termine, et en fait, on terminera avec le déblocage de ce E75. Absolument. Voilà, on a ça. Alors, attendez, ça, c'est tout de clan. Voilà, on va accepter. Donc, on va partir avec... Bah, tiens, il est 3, hein, on va changer un petit peu. Alors, puis, ce qui est bien, en tout cas, c'est... Tu prends le curry? Ouais. Méga? Pourquoi, tu payes? Non, je prends le client qui paye. C'est moi, oui, je paye. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, je m'en serais douté gros comme une maison. Indirectement, hein. je paye aussi. Ouais, bah, vas-y, ouais. Oui, bah... Forcément. Donc, pareil. Oui, 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 si tu veux. Oh, bah non, pas trop. Cassandra, tu veux quoi? Attends.
Donc au pire les amis, ce que je ferais pour ceux qui les retardataires, retardataires, c'est pas facile de parler avec un débouché en fait. Les retardataires, je vous montrerai pour fermer la vidéo comment télécharger donc Tank Company sur iOS. Alors le problème c'est que comme je vous dis, c'est pour le télécharger, c'est pas le plus dur. Le plus dur sera pour rentrer dans le jeu en fait, pour créer un compte chinois. Donc j'essaierai de voir si je peux vous dégoter ça pour pouvoir le mettre. C'est assez difficile parce qu'ils font la guerre justement par rapport à ça. Hein. Les Chinois, ils sont vraiment à fond là-dessus. Ils sont vraiment en guerre là-dessus parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de joueurs, donc qu'ils soient français, russes, etc., etc., qui essayent de choper le jeu et donc prendre des identités chinoises pour pouvoir créer des comptes. Et je vous cache pas que les Chinois sont assez, assez durs avec ça. Ils ont une mentalité qui est assez stricte par rapport à nous. Et c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que je tiens encore à remercier dans cette vidéo mon cher confrère tankiste. Moi je vais passer par là. Hop là. Voilà. Alors. Tac. Ah, il a déjà été détecté lui. Je suis pas trop à l'aise sur cette carte. Donc à savoir, c'est que le jeu comporte 10 cartes actuellement. 3 nations. Donc russe, donc soviétique, Allemagne et britannique, je crois, si je dis pas de conneries. Américaine, voilà. Pas dire de conneries, je crois que c'est américaine. Pour l'instant. Un peu comme Blitz au démarrage, hein, c'était 3 nations... Par contre, Bibi détruit. Voilà. Toi. Oh, dommage. Combien de temps? Une petite heure. Oh, bah ouais. Ouais. Ici, ça passe. Elle me dit, wesh, ici, une petite heure, madame. Wesh. Wesh, ma gueule. Bah, ouais. C'est quoi, il est sur moi, lui? Ah, apparemment, ouais. C'est pas wesh. Oh lolo, à Beuyant le Tiger 2 est mort. Pas de soucis. Demain je retournerai dehors. Ouais, tu m'étonnes. Non, par contre. Ah, il me voit pas, c'est cool ça, t'en bouge pas. Bah oh, je vais me le faire. Je vais me le faire, salut Kovo. Oh, je vais me le faire ce Tiger. Ah non, je pourrais pas. Oh, montre-moi ton cucu. Bon, bah c'est pas grave, c'est toi qui vas morfler. Beuyant. Oui. Ah, salopard. Bah, j'ai pas vu que j'étais spotted. Reste là-bas. Voilà. Chai Godenai. Ah, merde. Ouais. Toi, tu vas prendre ici. Attention, suspense, il est pour moi. Oui. Et de deux. Ah, t'as vu, hein, je l'ai dit, hein. Chai Godenai. Salut, Walid. Salut Damien. Ou toi. Toi tu vas morfler. Suspense. Et 2, 3. Et il m'a fait la traque. Ouais, salopard. Bon, je m'en fous. C'est... Ah non, il me l'a calé en même temps. Il me l'a calé. Ah, par contre. Alors attends. On va le laisser avancer. Ok, bah tu me diras, ils sont en groupe, ou peut-être, c'est peut-être le moment où il faut pousser quand même. Alors des moments, j'ai vraiment du mal avec ça, c'est... Je mets trop de temps à me décider, et en fait, je vois mes coéquipiers se faire déglinguer les uns derrière les autres. Donc il faut vraiment... Ah oui, en plus, ils sont deux. Allez, 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 enfonce. Bah, oh, toi. Toi, à mon avis... Ah, salopard. C'est lui qui nous détecte. J'ai intérêt de faire vite, par contre. On va essayer de se déglinguer ce Tiger 2, parce que mine de rien... Mine de rien, sur ce jeu, il est assez impressionnant et il fait très mal. Voilà, donc on va essayer d'aller faire vite et d'aller nous le sortir. Salut mon topin. Allez, non, j'aille ça. Je suis derrière toi, donc il y a un moment où il va falloir que tu te décides. Voilà. Ah ouais, on est en train de se faire déglinguer en fait. Ah ouais, c'est pas cool ça. Ouais, c'est bon. Au début, je croyais que j'allais ricocher. Par contre, il faut retourner à la base et assez vite là. Ah bah ils y sont tous. Oh là 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 là. Ouais, ça va être la merde. Ça va être la merde. Oh là.
Bon, oui, 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 j'arrive. Je suis à fond là. Allez, vite. Vite. 10 Vite. Allez, faut vite les aider là. Ouais. Voilà, Shoda, ça veut dire affirmatif. J'arrive, mon copain, je suis à fond. Tu me diras, j'ai déjà vu des retournements de situation sur ce jeu, c'est impressionnant. Je vais essayer de me sortir lui en premier. Allez, vite. Ouais. Salut, mon copain. Il est facile, là. Et toi, c'est la fin. Voilà. Sortir des canons assez vite. Parce que là, ils vont aller rusher les trois. Oh la vache. Allez, faut pas que je me rate. Ok. Ah la vache, par contre, je vous dis, pour angler le char, c'est assez merdique. Oh, salopard! Moi, je suis foutu. Ouais, je suis mort. Ah, je vais être foutu. S'il tire pas dessus, lui... Allez, vite. Est-ce que j'aurai le temps de me planquer? Suspense. Oh, merde! Qu'est con! J'ai pas de subtil T29. Ah, je suis nul. Ouais, bon, bah là, malheureusement... Ah ouais, puis alors, lui qui pousse pas... Et lui qui arrive. Ouais, bah là, on est foutu, là. Au début, je voulais aller partir chercher... C'est con, quand même, hein. 3771 de dégâts, hein, avec 5 kills, quand même. Ah, par contre, ce que j'ai pris dans la gueule par le M40, ça a été fatal. Je crois que c'est lui qui me l'a mis... Ah ouais, quasiment 500 qui m'a viré. Mouais. Salut, Guncher. Alors, Damien qui nous dit on peut l'avoir sur quelle plateforme? Sur les deux, Damien. Par contre, ça sera du chinois. Bonjour, comment allez-vous? T'es à fond sur Tank Company? Ah ouais, carrément même. Ah, je le lâche plus. Ah, c'est clair, je ne le lâche plus. Allez, on va repartir avec celui-là. Touloulou. Ah, tiens, on va faire ça. Alors, Bam Max. Non, à chaque fois, je vais réussir à écorcher ton pseudo. Hein. Bam Bax, pardon. Il me manque 100K d'expérience pour avoir l'ISL sur votre PC. Eh ben, écoute, bon courage, mon copain. Mais c'est faisable. Alors, Damien qui pose la question, quel est le meilleur jeu, What Blitz ou Tank Company? Je te cache pas que quand Tank Company va sortir officiellement, What Blitz, bon, il aura toujours ses adeptes, hein, des fans inconditionnés de WG, mais je pense que Tank Company va leur mettre quand même une sacrée claque. Donc, alors pourquoi je dis ça? Alors, c'est comme je dis personnellement, alors ça sera un jeu gratuit, hein, comme What Blitz. Le truc qu'il y a, c'est que déjà, les graphismes vachement meilleurs. Au moins, vous avez un réticule quand il est sur le char, il n'est pas en train de faire. Voilà, il n'est pas en train de tourner dans tous les sens, il est vraiment sur le char. D'ailleurs, toi, je peux peut-être te la coller là. Suspense. Loupé. Ensuite, au niveau. Qualité visuelle du jeu. Attendez, excusez-moi. Voilà. Au niveau qualité visuelle du jeu, il n'y a pas photo. Voilà, quand tu vois le Tiger 2, voilà, regardez même les roues arrière, on voit bien qu'elles sont transparentes au niveau des entre les branches. Que comparer le Tiger 2 qui est passé en haute définition, en plus, c'est ça qui me fout un peu à bout de nerfs. Le Tiger 2 est passé en haute définition sur World Blitz et vous avez les roues qui sont pleines, même entre les branches, et ça, c'est un petit peu dommage. Regardez, même la tourelle de char qui est ouverte. C'est des petits détails, ça paraît con-con. Hein. Mais moi, j'adore ces petits détails. Voilà, qui donnent vraiment toute l'importance du jeu si vous cherchez un jeu qui est dit, entre parenthèses, réaliste. Bon, toi, est-ce que t'es en train de prendre mon topin? Bon, c'est peut-être un... Voilà, bon, par contre, il est en train de me... Toi, t'es mort. Par contre, c'est quoi ça? Et c'est quoi qui est derrière? Ah, je crois que c'est un... Stop. Ah la vache, angle un petit peu, copain. Voilà, c'est bon. Ouh, pourquoi tu t'en vas, toi? Non, tu veux pas? Tu veux... Ah bah, c'est lui. Oh, je croyais que je l'avais raté. Toi, je fais gaffe. Et toi, t'es mort. Voilà. Shai Godenai. Toi, à ton tour. Ah merde. Raté. Ah ouais, t'inquiète. Oh, et il dit. Attention.
Oh merde, raté. Tac tac tac. Allez, vite, vite, vite. Oh toi, je suis en train de te faire des trous, mon copain. Oh oui, regarde d'ailleurs. Ah oh, c'est bon ça. Ah oh, c'est bon ça. Non, il est à moi. Ah, il est à moi. Merci. Ah, je les voyais les deux là. Ok, donc pour l'instant ça win. Puis en plus, regardez, comme je dis, mais c'est des trucs qui paraissent vraiment très cons. On est quasiment à 300 ping. Le truc il tourne nickel quoi. C'est. Ah oui, alors là par contre, moi le T28, je vais galérer. Hein. Je vous cache pas. Je vais essayer de faire ça. Ah oui, magnifique. Mais c'est un truc de fou, franchement, je vais pas vous cacher. Là, les Chinois sur ce jeu-là, ils ont fait un taf de malade. Ah, mais non, je voulais. Ah, c'est qui est derrière? Oh, toi. Allez, vite, 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 j'aurai peut-être le temps. Oh oui. Dans ton cul. Pouki. Ah, bah, je l'ai même pas eu. Tiens, voilà. Ah, toi. Où est-il? Oh, c'est bon ça, c'est. Oh merde. Lui il va faire mal. Non, c'est bon, il fera plus mal. Et il nous reste plus qu'un léger. Mais bon, en tout cas, voilà, moi, comme je dis, j'adore les jeux de chars. Et quand je vois, donc bon, Tank Company est un premier jeu qui est sorti sur tablette. Hein, parce que, comme vous le savez, je suis sur tablette. Et. Ah, ben il est où lui? Donc il est dans le coin. Ah, ben il est là-bas, notre copain. Oh non, t'es sérieux, j'ai raté. Non, reviens. Mais non. Mais c'est vrai qu'après, je regarde beaucoup, moi, ces qualités graphisme, détails, des petits détails, en fait, et qui, au final, voilà, ça motive. Y'a pas chier. Ouais. Y'a pas fier. Ah, bah, y'a pas fier. Alors, on a fait combien? Ah, y'a pas fier. Alors, donc, on peut voir un peu. Oh, c'est bon, ça. Bien joué, les gars. Comment? Ouais, ouais, c'est un petit, ouais. Alors, on en est où? Ah, en plus, j'ai fait une... Yeah! Alors, moins 30%. Eh ben, allez. Voilà. Alors, il faut qu'on fasse 22 500 de dégâts. Et là, quand tu arrives à la fin, c'est 79 000. Hein, donc, bon courage. Bon, en tout cas, on a gagné un jour de compte premium, ça fait plaisir. Qui que c'est, ça? 600 batailles. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Oui, je t'accepte, alors. Voilà. Hop, là, je peux pas encore y envoyer de pognon. Du fait que... j'ai déjà tout envoyé. Et nous, il nous reste quoi faire? Il nous reste ça. Kovo qui dit, il sort quand officiellement? Bah, malheureusement, nous n'avons pas de date. Attendez, stop, j'arrête là. Nous... Ah, bah, ça y est, je pourrais l'acheter si je veux. Ouais, mais je vais attendre de finir mes trucs. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Un jour, on y jouera. Quoi? Oui, je suis d'accord avec toi. Attends, c'est qui? C'est Damien. Qui dit comme quoi que le Made in China n'est pas si mauvais. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. Alors certes, certains peuvent dire qu'ils recopient. Je suis d'accord. Mais en tout cas, s'ils recopient, ils recopient en mieux. Voilà. Alors c'est pareil, on a les batailles classées, un petit peu comme les batailles côté, mais le problème qu'il y a, c'est que je peux pas y jouer parce que c'est en pleine journée, sachant que j'ai repris mes nuits, moi. Donc, en travaillant de nuit, hein, je vais pas me réveiller juste pour jouer en bataille côté. Alors, j'ai mon ancien... Alors, Kovo qui dit, j'ai mon ancien compte de la période de la bêta. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui l'avaient téléchargé à l'époque de la bêta, donc européenne, alors il y avait deux serveurs à ce moment-là, c'était européen et russe. Ils ont dit de toute façon qu'ils ne supprimaient pas les comptes. Hein, ils sont en suspens, mais voilà, comme ma femme a dit, hein, ils sont en suspens, mais en tout cas, vous les récupérez. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de voir justement pour voir un petit peu le jeu, comment il prend de l'ampleur par rapport à ça? Je pense qu'à mon avis, il y a un truc qui est en train de se passer, parce que ce qui est bizarre aussi, c'est, je vous le montrerai après, c'est qu'on a un cadeau. Qui est pour le 28 mars, donc on a depuis maintenant quasiment un mois, et on ne peut pas l'ouvrir avant le 28 mars. Est-ce que ça pourrait signifier quelque chose? Je ne sais pas. Je ne vais pas dire de conneries, parce que voilà, je ne vais pas m'avancer. Oh, mais non, mais merde. Mais voilà, c'est juste ce que c'est.
Voilà, je ne sais pas. Alors, le jeu prend beaucoup de place. Damien, bah en gros, c'est un peu comme votre Beats. Hein. Par contre, il est assez lourd. Donc déjà, pour le télécharger, il coûte à peu près 4 gigas. Plus ce qu'il y a en interne. Donc tu comptes à peu près, je pense, 5 à 6 gigas. Hein. Ouais, mais au moins, les utilisateurs, ils font pas 3 gigas chacune. Ah oui, non, ça c'est clair. Ouais. Après, les mises à jour se font en interne, hein, directement. Hein. Et ce qui est bien, c'est que s'ils voient qu'il y a un problème qui est directement sur le jeu, ils le travaillent assez rapidement. D'habitude, je vais là-haut. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va se retourner. Non, mais regardez. Oh, il était à deux doigts. Je le voyais partir, moi. Non, par contre, je vais, pour une fois, passer ici. Voilà. Il est parti trop tard. Ouais, c'est ça. Je vais l'envoyer. Qu'est-ce que je fais? Je passe... Non, je vais rester en... On peut pas faire un tir. Merde, Crudy, j'ai raté mon tir. Ouais, par contre, faut que je me magne. Oh non, mais non, mais pourquoi t'as foutu ton char devant? Ça va, on peut pas leur tirer dessus, enfin... Ah mais non, mais si tu me colles... Attends, je peux peut-être le... Allez, allez, vas-y, 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 oui, 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 je peux peut-être te rouler dessus. Vas-y, vas-y. Ah, salopard. Non, je suis coincé. Non. Non. Viens ici, c'est bon, je suis lui coincé. Tu vas prendre dans le cul. Ah, dans ton cul. Eh, viens ici. Viens ici. Oh, ça. Viens là. Eh, allez, hop là. Ça, c'est fait. Lui, T28. Oh non, pas les T28. J'aime pas les T28. Bon, j'arrive, les copains. Boum. Il va être pour nous ou pas? Donc, toi, mon bien. Ah bah non. Par contre, il y a le T28 qui pousse là-bas. Ouais, bon, ouais. Non, mais non, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Alors, Enzo, pourquoi tu as commencé les jeux de tank? Parce que j'adore, tout simplement. J'adore les jeux de tank, je vous cache pas que à l'époque quand ils avaient sorti, donc en 2010, ouais c'était en 2010, oh, attendez j'ai un client, oh oui, en 2010 ils avaient sorti donc World of Tanks PC, malheureusement je n'avais pas la, bah, la chance et l'argent pour pouvoir m'acheter un PC pour pouvoir y jouer, et bah, j'ai commencé sur Blitz hein, directement, mais j'ai toujours aimé les chars, c'est des véhicules qui m'ont toujours... qui m'ont toujours fait halluciner, c'est impressionnant quand tu vois les monstres d'acier en fait. Hein. Mais non! Voilà. Bon. Par contre, il y a un T28 apparemment, il a l'air bien chaud quand même. Alors non, par contre, Damien, pour l'instant, comme le jeu n'est pas encore en développement officiel partout, donc non, t'as pas énormément de chats. Tu nous diras, t'en as assez de quoi t'occuper. Mais non, c'est sûr que si tu compares par rapport à Blitz, non, tu... On me paye pas à tiendre. Allez, mon joli, ça, vilain. Ricochet. Ricochet. Tu ricochets encore une fois? Ah bah non, du coup, il lâche l'affaire. Non, il est à moi, là, s'il te plaît. Par contre, il y en a un qui arrive derrière, là, c'est trop cool. Oh putain, le D28, il est déjà là. Oh la vache. Il est rapide, ce con. Et il va se faire déglinguer par contre. Bon, tu me diras, tu te fais déglinguer. Oh, attends, si, voilà, il s'est fait déglinguer. Merde, j'ai plus la dépression. Ah, attendez, je vais faire un truc. Regardez, c'est ça qui est cool en fait. C'est bon, c'est salaud, non, mais voilà. On peut se servir des. Toi. Oui, je l'ai sorti, magnifique. Ah, c'est ma hantise. Dès qu'il y a des T28, vous avez vu ce qui m'a mis 472 dans la tronche. Ouais, c'est une belle partie, je suis content ça. Alors sur Blood, il y en a... Alors sur Blitz, t'en as 493. Mais vu que là, ces derniers temps, ils arrêtent pas de bombarder sur des coffres payants, je ne vous cache pas que de toute façon, j'ai arrêté. Comme je dis, c'est bien parce qu'ils ont fait une action, hein, ils ont envoyé de l'argent. Là, en gros, c'était notre argent. Et j'ai envie de vous dire pour le remerciement qu'on en a. Voilà. Bon, après, ça, c'est un peu un avis personnel. Voilà. Excusez-moi, je me fais du pognon en même temps. À moi? Ah bah non, pas à moi. À moi?
IS-3. IS-3. Non. Bon, bah j'arrive. J'arrive, mon topin. Don't move. J'aime pas ton chat. Alors, c'est quoi ton ou tes tanks préférés? Alors, par contre, Damien, tu parles sur quoi? Sur ce jeu-là ou sur... Parce que là, bon, on est sur tank compagnie. Hein. Après, si tu parles de Blitz, bah, nous avons notre cher Enzo qui apparemment est un habitué et qui a trouvé la bonne réponse, absolument. Et c'est vrai que sur tant de compagnie, là, je te cache pas que le fameux E75 est peut-être un de mes chars, comme le Tiger, là, celui-ci, le Tiger 2, et un de mes chars qui sont dites... par contre, lui, il est en train de dézinguer tout le monde, donc là, on est quand même pas mal dans la merde. Apparemment, le mec, il sait jouer, quoi. Et là, il met du 400, donc ça veut dire en gros en 2 tirs. Reste là. Ah, il va le déglinguer. Hein. Il va le déglinguer. Et il va le déglinguer. Reste là, par contre. Eh vache, il est plus puissant que moi. Ouais. Merde, qu'est con. Je fais gaffe, qu'il va essayer. Voilà, il va essayer de shooter ma tourelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Allez, c'est bon, théoriquement. Alors, il va m'en coller une, c'est sûr. Oh, même pas! Ok. On la traque. Voilà, et là. Et voilà, ça, c'est du travail d'équipe magnifique. Alors, Winnie, salut Bigou, je suis le frère de World of War. Je sais pas si tu te rappelles, mais... Les jeux... Est-il disponible? Non. Enfin, si, il est disponible sur le truc chinois. Bonjour. Ah, oh, c'est bon, ça. Oh, t'es bon, toi. Bien joué à toi, avec ton Ferdinand. Ok. Alors, fais voir un peu. Ça, c'est ok. Ah, maintenant, on peut gagner une carte... D'accord. Bon, ça, je savais pas. Ok, bon, on va terminer là-dessus. Alors, on en est où? 162 000, 175 000. Ok. Si, si. Merci, Damien. Bon, par contre, je vous cache pas, le jeu, quand même, comparé à Blitz, il est vachement énergivore. Hein. C'est impressionnant. On a commencé le live il y a quoi? Il y a même pas une heure. On est déjà à 58%. Donc il est assez gourmand, sachant qu'au niveau des graphismes, je suis pas totalement à fond. Et c'est vrai que là-dessus, la tablette chauffe. Hein. Alors, est-ce qu'il y a aussi le stream qui... Je pense que ça doit jouer aussi. Hein. Bah tu vois, Gunshot, je réponds déjà à ta question avant même que t'aies posé la question. Ah, réponds à ta question avant même... Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est français. Oh la vache, j'ai du mal, moi. Allez! Oh, bien joué! Toi, t'es parti carrément. Ah, non, c'est pour ça que t'as. Oh, bah, tiens, cette fois-ci, je vais aller par là. Et Damien qui dit tu arrêtes Blitz ou pas? Non, je. Ouais. Pas définitivement. On va dire. On va dire que j'y joue moins. Je te cache pas. En plus, depuis qu'ils ont coupé le chat, c'est un peu galère parce que pour parler avec le canal du clan, donc ça, je trouve ça un peu con. Excusez-moi du terme. Hein. Je vois pas pourquoi tu coupes. Encore que tu coupes les généraux, les canaux généraux. Bon, d'accord, mais couper les canaux de clan, bon, ça, je trouve ça un peu con. Après, c'est mon avis personnel. Donc c'est vrai que de pas pouvoir parler avec mes gars, c'est un peu chiant. Et bah voilà. Donc ça m'a un petit peu gavé. Pourquoi? Non, ils ont coupé les chats depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Ils sont cons. Bah c'est... si, avec ça encore. En gros, t'as un plan, tu peux plus parler... Non, tu peux plus leur parler, juste individuellement. Mais quel bon d'avis. Bon, par contre... Là, c'est pas cool, là. Parce qu'en fait, j'ai pas fait gaffe sur la carte. Là, je suis parti un petit peu comme un porc. Regarde. Il me regarde, le salaud. Par. Il me regarde plus. Bon, de toute façon, lui, je le perce comme dans du beurre.
Voilà, parce que lui, c'est plus facile. Hein. On va se prendre le plus facile. Hein. Non, c'est ça. Allez, je vais me faire lui. C'est parti. Ouais, parce que là, l'autre, il va se faire déglinguer, lui. J'ai intérêt de faire vite, d'ailleurs. Allez, on va essayer de sortir des canons. Voilà, parce que sinon, ils sont tous là-haut, en fait. C'est quoi, ça? Non, pourquoi j'ai cherché à tirer dessus, bordel? Ok, un autre canon à sortir. On va essayer de faire vite. Allez. Ah merde, j'ai ricoché. Non, je l'ai pas percé. Passe vite, lui. Par contre, j'ai intérêt de faire gaffe parce que voilà. Alors, attendez. Oh merde! Oh, bien joué! Oh, tu l'as traqué au bon moment. Oui, il va me la coller. Il va me la coller. Oh, il m'a fait qu'une traque. Allez. Merde, moi aussi, j'ai fait qu'une. Par contre, j'ai intérêt de reculer vite parce que sinon, il va me la recoller. Non, recule pas! Ah, salopard! Tout ce qui est avec des étoiles, on les a bien. Allez, toi. Bon, pour l'instant, on est en train de tenir. Oh, bien joué! Prends le tunnel. Ouais, par contre, là, j'ai fait le con parce que j'ai attendu trop longtemps et je m'en serais douté que. Intérêt de reculer assez vite. Eh, je suis en train de. Allez, vite, 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 vite. Oh, le salopard, il m'a fait le rat en plus. Oh la vache. Ça c'est pas cool le rack. Allez vite. Ouais, faut que je répare ça en priorité parce que sinon. Oh là je suis dans la merde. Ah je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ah il va me déglinguer de toute façon. Ouais, là je suis mort. Allez au pire je vais tenter là. Hein. Ouais non, de toute façon là j'étais foutu là. Ouais. Théo qui dit oui c'est trop chiant. C'est ta femme que l'on entend. Oui, oui, Damien, c'est la famille. Hein. On est en famille, wesh. C'est la famille, wesh. Ma femme est en train de jouer à la Switch avec ma fille à Mario. Alors, Jeff qui dit, étant un jeu biélorusse, je pense qu'ils ont complètement coupé le chat afin de rester neutre et surtout continuer à recevoir notre argent. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que là, les coffres, hein, ça bombarde. Hein. Entre la scène qui était sortie, maintenant, vous avez le Skoda... Oui, oui, Cassandra, oui, c'est ça. Avec le fameux Skoda T56, t'as des coffres en veux-tu en voilà, ça se bombarde. Donc c'est vrai que là, c'est violent quand même. Là, c'est vraiment violent, les coffres. Hein. Donc je vous cache pas que ça m'a gonflé. Donc moi, je vous cache pas non plus que le moment où il y avait même le... Donc là, il me manque le Super L4, le fameux la scène C et le Skoda T56. Voilà. Et puis bah, je vous cache pas que le pass de combat, de toute façon, je l'ai complètement goldé comme un gros porc. Hein, voilà. Et puis bah, je suis même pas venu ici. Voilà. Ah. Et puis voilà. Et tu fais pareil pour le 22 et le 23. Alors attends, okay. Attends, je me sers un petit canon. Hein, parce que voilà. Hop là. Hop. Alors, attendez, excusez-moi. Et voilà. Ça, c'est une belle victoire. Alors, on s'est fait combien? 43 000. Ah ouais, il s'est gavé. Il s'est gavé, le cochon. Puis en plus, voilà, ce que vous avez, ça, c'est cool. C'est, on a en plus l'historique de ce que vous avez touché. Ça, c'est ce que j'ai touché ou ce que j'ai déglingué? Non, voilà. Ça, c'est ce que moi, je me suis fait déglinguer. Ça, c'est ce que moi, j'ai touché. T'as perdu sa tête d'oreiller? Sa tête d'oreiller, ouais, j'ai perdu cette tête. Ah, ça, c'est con, ça. J'ai plus tort qu'on en avait là qu'il y a deux semaines, là. Je trouve plus sa tête d'oreiller. Tu sais, t'es avec la couronne. Tu la trouves plus? Ouais, bah, j'avoue, là, c'est chelou. Là. Et je sais pas où est-ce qu'elle est. Je crois que c'était celle qu'on avait, mais en fait, celle qu'on a, c'est une blanche à nous. Donc, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Ouais, bon, de toute façon, on arrivera à la trouver. Hein. Ouais, mais pour le moment, j'ai perdu cette aide d'oreille.
Donc, comme je vous disais, voilà, on a un cadeau qui est à ouvrir donc, le 28 mars. Merci, Jean. Je ne sais pas ce que c'est. Écoutez, c'est la surprise. Alors, attendez, 164 000. On va être pas loin, là. On est pas loin. Allez, on essaie de se terminer ça. Bigou, faudrait-tu déboucher une cervoise? Bah, absolument, Astérix. Attends, tu crois quoi? La bonne cervoise. Tiens, d'ailleurs, je vais m'en jeter un godet. Allez, hop. Oh, en plus, elle est tiède, elle est nickel. Nickel. Salut, Karem. Salut, Mathus. Damien qui dit désolé pour toutes mes questions. Mais hey, c'est le but d'un live, justement. Si t'as des questions. Depuis tant compagnie, on t'entend plus chanter la chanson Gaz, Gaz, Gaz. Ouais, bah c'est vrai que là, ils sont un peu pâteaux, hein, ceux-là. Hein. Damien qui dit tu fais les bonnes du T21. Ah oui, non, bah alors, attends, bah, Damien, là, j'ai envie de te dire, c'est une blague. Alors. C'est une blague, oui et non. C'est bien pour les nouveaux joueurs, parce que voilà, le T21 est un char collector maintenant. Par contre, pour nous les anciens, c'est franchement une belle blague, clairement. C'est un char où non, je ne fais pas l'event. Enfin, je l'ai sélectionné d'ailleurs, pour que j'y retourne. Mais non, parce que c'est un char que je possède déjà depuis longtemps, depuis le début. Parce qu'au début, c'était un char qui était dans la branche et qu'ils ont volontairement retiré, comme beaucoup d'entre eux. Et ensuite... Ensuite, bah là, ils le remettent comme ça, donc non, je trouve pas ça cool. Enzo qui dit, as-tu le T100 LT? Non, je l'ai même pas encore débloqué, je suis qu'au tier 9. Astérix qui dit, moi aussi du coup. Eh bah, t'as bien raison, santé de Nîmes. Eh ouais, Jeff, à ta santé, puis à la santé de vous tous, les amis. Absolument, ouais. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, les copains. Allez, on bouge son cucu. Alors. Ni parler en ninja, du coup tu nous fais. Ah, tu veux le ninja? Eh, hey, t'arrêtes pas là, ton andouille! Attention, ninja! Alors, il te manque quoi comme tank sur Watt B? Le AE phase 1 uniquement? Oui, donc effectivement celui-ci. Hein, l'AE phase 1 qui est une galère à avoir parce que vous avez 0,05% de chance de l'obtenir. Alors attendez, je me concentre une petite seconde. Non, si, il y a une voiture en face. Bah oui, c'est. Ah bah oui, bah attendez, tiens, vas-y, joue alors. Allez, n'oublie pas, on est en live. Alors, le téléphone va se mettre à sonner. Hop. Alors, vas-y, tu peux leur parler en même temps, hein, parce qu'ils t'entendent. Hein. Ah, attendez, hein, c'est ma femme qui prend le relais, deux petites secondes, je vais chercher les pizzas. Voilà, ce soir c'est pizza. Maman, hop. J'ai pas le choix. Alors, t'as le stylo, T'as pas pris de carte de. Une belle carte. Ah, merde, c'est fini. Bien sûr, hop. Attention, papa, sur le. C'est un petit chat, ça. Oui. Hop. Attends, je peux pas passer là. Alors, j'arrive les amis, à tout de suite. Oh maman, je suis désolée, je suis tombée. C'est pas grave. Et bah vas-y, j'ai envie d'aller sur le canapé, je peux. Non, tu restes à côté de moi, s'il te plaît. J'ai le droit de me mettre ici. Hein. On me baisse la tienne. Sur le canapé ici. Sur le bord du canapé. Je suis avec toi. Donc, ton bien. Oh,
战车受损。 Y'a pas de Kenzo. Vas-y, continue, t'inquiète. Ah, c'est bien. Donc, du coup, ça donne quoi là, ce... Bah, ça donne. Ouais, ça va, t'es en train de les dégainer. Bah, je suis un petit peu tout seul avec deux là. Il a réussi à la faire. Donc, je vais en profiter que ma femme joue pour cette dernière partie, en même temps je vais regarder nos messages. Donc, donc RM, je t'ai répondu. Donc, comme je te disais, la E-Phase 1, je ne l'ai pas. Le T56, donc le Skoda qui est arrivé en boutique actuellement dans les coffres. Le fameux L4, le super L4, je ne l'ai pas non plus. Tiens. Ça y est ? Ouais. Oh, bien joué. Combien ? Oh, 4000 de dégâts en plus. Et là, c'était madame qui jouait. Hein. Ah bah, franchement, bravo ma chérie. Merci, merci. Bravo, j'applaudis. Alors là, franchement, bien joué à toi. Jeff qui dit GG Lady Bigouf. Ah ouais, là par contre, la vache. Eh, en plus, t'es première. Eh, t'as vu ça un peu eh. Ouh, toi, tu me cacherais pas quelque chose par hasard ? Hein ? Ah la vache. Bah du coup en fait t'as fini l'émission en plus de... Ah, je sais pas. Ah bah si, t'as tout fini, magnifique. Oh la vache. Donc bah t'as les GG de Damien. Ah, bravo, bravo, franchement là je suis sur le cul là, j'y croyais pas. Ah, ils sont tous tombés sur le cul. Ah ouais, franchement là, ma femme qui a pris le relais là. Karim qui dit bonne pizza alors, mais tu finiras la réponse s'il te plaît. Oui bah donc Karim, je t'ai absolument, absolument tout répondu. Voilà, donc c'est je te dis, hein, il me manque la E-Phase 1, le Super L4, le T56 Skoda et le LACNC, voilà. Parce que je n'achète plus leur coffre, et puis voilà. Karim qui dit bravo, Madame Bigouf. du coup, allez, on va se faire un petit kiff. Allez, je dépense mon XP. Enfin, 172 000, on n'en est pas loin. 175 000. Alors, allez, on va relancer une petite. On va lancer une petite et puis... Attention. Damien qui dit l'élève a dépassé le maître. Non, non, quand même pas, attends. Oh. Kovo qui dit elle assure. Ah oui, franchement, du côté-là, elle assure, ouais. Ah, c'est clair. Ça fait longtemps qu'il faut pas jouer. Et c'est vrai qu'en plus, oui, c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'elle a pas joué, surtout à ce jeu-là. Elle y joue, bah, c'est peut-être sa deuxième partie qu'elle a dû faire depuis que j'y joue. Deux ou trois. Ouais, minimum. Maximum, du coup. Astérix qui dit moi j'aime, alors moi j'aime quand Madame Falbala joue, elle déglingue bien les Romains. Ouais, tu m'étonnes. Et en plus elle aussi elle a la cerboise, hein, donc je te raconte pas. Hein. Et ouais, franchement, d'ailleurs tiens, je vais la... Merde, je peux pas la garder. Attends. Je vais faire ça. Hop, alors attendez, je vais virer. Je vais virer quoi? Faut que je vire une... Ouais, je vais virer celle-là, c'est pas grave. Et on va se mettre, hop, celle-là. En... Voilà. Et c'est parti. Alors, pourquoi tu n'utilises pas l'XP libre, Enzo? Bah, ça m'embête un petit peu, en fait, parce que j'aimerais bien, c'est... Déjà, je l'ai cramé assez rapidement pour certains chars, et en fait, j'aimerais bien le garder pour pouvoir, en fait, free XP le 75. Parce que mine de rien, là, après, ça coûte très cher en XP. Et ça va être assez long. Bon, allez, dépêche-toi, là, vous trouvez quelque chose. Et regardez-moi, les... Enfin, les détails, c'est impressionnant. Et encore, je vous dis, hein, je suis pas à fond.
ma mise. Donc je laisse prendre tout comme ça, quand mes tours sont complets, je reprends directement avec ma mise. Donc on voit en dessous, on voit ça. Alors, Damien qui dit il y a les masters sur ce jeu. Alors, non, c'est pas des masters que nous avons, c'est des maîtrises, des classes de maîtrise. D'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, j'en ai réussi à en choper une. C'est... Alors, attends, parce que là, comme on est parti sur la game... Ah oui, mais comme je suis parti avec ce char, la seule classe de maîtrise que j'ai réussi à avoir, c'est sur le... Donc, comme Enzo a dit, le 704, où j'ai réussi à être... comment... Hein? Ah oui, sur celui-là, ouais. C'est sur le 704. Allez, amuse-toi. Alors. Allez, saute. GG, plus 10 questions. Ton compagnie est dispo sur Android. Ah oui, tu peux le trouver sur ton sur Android, pardon. Mais par contre, comme je le dis, ça va être assez simple, je pense. J'ai bien dit je pense pour le télécharger. Par contre, ça va être là où ça va être plus compliqué, c'est pour pouvoir créer un compte. Créer un compte chinois. Donc là, ils sont vachement réticents là-dessus. Donc après, il faut aussi que vous fassiez des recherches. Je pourrais essayer de voir si je peux vous aider éventuellement, si, parce que je ne vous cache pas que même moi j'avais abandonné. C'est pour ça que je remercie encore Yuri, car c'est grâce à lui que j'ai pu avoir un compte. En quelque sorte, c'est lui qui m'a créé un compte, donc je tiens à le remercier pour ça. Et comment dire? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'arrête comme ça, comme une andouille? On me pêche pas tiens. Il est passé où mon tir? Où en 50, ça dépend. Et attendez, hop. Ouais, c'est... Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Attendez, parce que j'ai ma femme qui est en train de parler en même temps. Ah, puis moi je suis comme un con parce que je fais pas gaffe. Là, j'ai pris cher d'un coup. Là, j'avoue, j'étais pas concentré sur ma game. Pas cool. Qu'est-ce que je vais faire? Raté. Pop, toi. Attention. C'est super dangereux ce que je suis en train de faire là. C'est méga dangereux même. Alors, donc, on va passer par là. Là, je vous avoue, les amis, d'un coup, je sais pas pourquoi là. Je fais un peu n'importe quoi là. Non. Ah, salopard. Ouais, d'accord, ok. Bon. Allez, là, on va se remettre dans le bain parce que j'avoue, je fais n'importe quoi et ça, c'est pas cool. Allez, c'est parti. C'est qui arrive? Oh merde, ils sont en train de pousser. Non. Allez, faut que j'avance, faut pas que je reste là, moi. Allez, salut. Oh, ça veut pas... Oh, merde, chronique. J'avoue, c'est dangereux. Allez. Ouais, de toute façon, là, je vais être foutu. Ah ouais, puis de toute façon, ils arrivent en force, là. Oh, il arrive derrière mon cul, lui. Ah, attends. Tiens, mon joli sable, hein. Ce sera toujours ça de gagner. Pff, le moindre tir que je vais prendre, moi, ça va être fatal. Attention. Et voilà, je suis spotted. Là, je suis dans la merde. Clairement, je suis dans la merde. 4%. Oui. Et voilà, j'ai pas le temps de tirer. Merde, chronique. Damien qui dit tu es bien payé pour acheter tous ces chars sur votre blitz. Bah écoute, après en bossant de nuit, après c'est ma passion, donc je dépense pas non plus sur 36 millions de jeux. Ouais non mais t'as pas la bourse non plus. Ouais voilà, donc bon bah écoutez, celle-là elle est morte. Bonsoir Alex, je sais pas si je t'ai salué, mais en tout cas je te resalue. Damien qui dit bon appétit. Ah bah attends, on a pas encore mangé. On va pas tarder mais. D'ailleurs on en est où nous? Oh bah ça va être lui. Tiens, on va se faire l'illustre, on l'a pas fait celui-là. Ah oui, donc attendez, c'était. Tiens. C'était ça que je voulais vous montrer. Donc, eux, chez eux, c'est. Hop, les. Ah, j'ai même chopé une classe de maîtrise sur le. Sur l'IS3, je savais même pas. Bah, tu vois, je suis même. Ah, bah, comme quoi. Par contre, pourquoi j'ai pas l'étoile sur. Moi, je suis déçu. Ah oui.
Si vous regardez, j'ai l'étoile sur le 704. Ça, ça fait plaisir. Et je l'ai pas sur le... Ah si, ça y est, la blague. Ah, magnifique. Oh, bah, je vais le prendre, je vais me la péter. Alors, comment télécharger le jeu sur iOS ? Nipox, t'arrives en retard, dis donc. Je l'ai montré. Mais bon, allez. Pour être sympa, je le remontrerai avant de vous quitter. D'accord ? Alors, donc j'avais répondu à la question de JJ qui me demandait si donc ton compagnie était dispo sur Android. Oui. Par contre, il vous faudra impérativement un VPN pour pouvoir y jouer. Si vous n'avez pas de VPN chinois pour pouvoir y jouer, ça ne sera pas possible. Salut Amjad, bien le bonsoir. Ah bah de toute façon, Karem, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Après, comme je l'ai toujours dit, ma famille passera en priorité par rapport au jeu. Donc si vraiment je vois que je ne peux plus... Ah bah salut à toi Théo, à la prochaine. Donc comme on dit, hein, si vraiment un jour je dois arrêter le jeu par rapport à ma famille, c'est clair et net, j'arrêterai le jeu. Ça c'est clair et net, ma famille passera toujours en priorité. Alors, Troite, que tant que compagnie arrive en France sur le Play Store, je m'emmerde sur votre B, Alex. Ouais. Est-ce qu'il y a l'IS-7 ? Oui, Enzo, il y a l'IS-7, pardon. Excuse-moi, j'ai un peu le nez qui est bouché, donc des moments, j'ai du mal à parler. Donc, effectivement, il y a l'IS-7. Et je suis en cours pour essayer d'aller le choper. Mais bon, c'est très, très long. Et comment on fait pour avoir le VPN chinois ? Bah, il faut le télécharger. Tu télécharges un VPN et après, tu regardes s'il y a le VPN chinois dessus. S'il n'y est pas, bah, c'est pas bon. Déjà ? Je suis déjà spoté, moi ? Des moments, j'ai du mal à comprendre. Ah, d'accord, c'est ok. Autant pour moi. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore tout traduit, donc c'est la merde. Enzo qui dit, tu me donneras ton compte. Oui, bien sûr, oui. Ah, oui, c'est ça. Il a vu la vierge. Avec plus de 480 chars qui sont dessus. Alors, pour l'instant, Damien, des chars français, il y en a. Il y en a un seul, si je dis pas de bêtises, mais c'est seulement dans le mode, en gros, chasse la souris. Mais lors des anciennes bêtas, oui, il y avait un char français à roue en plus. Attends, lui, il va avancer, je crois. Oh, merde, je me suis coincé comme un noob. Ah, non, 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 il va me la coller, il va me la coller. Ah non, il s'en fout. Oh, ça, ça avait l'air d'être un bot, ça. Oh, j'ai eu du bol. Oh oui, ça c'est un bot. Ça. Oh oui, c'est un bot parce que lui il en a rien à cirer. Théoriquement, je vais peut-être pouvoir le sortir. Suspense. Oh merde, non. Non, 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 non. Normalement, si je le colle, il peut pas me la coller. Ah, donc c'est un bot. Bah non, vas-y, tu te fais pas chier toi le T29 là. Oh. Et il a tiré dans le canon. Donc c'était un bot. Ouais, c'est ça, Enzo. Ouais. Au pire, si je le revends, ouais, je vais le revendre 10K, c'est clair. Ah, c'est clair que mon compte, mine de rien, sur Blitz. Ah, par contre, mine de rien, on est en train de se faire déglinguer pour l'instant. Hein. Je vais essayer de me faire lui. Lui, c'est pas un bot, c'est sûr. Coucou. Voilà, bon, pour l'instant, moi, je suis bien protégé. En plus, il n'y a pas d'arty. Allez, allez, viens là, mon copain. Ouais, copain. Copain. Tu vois, pour ça qu'on dit copain. C'est compliqué, c'est là. Alors attends, vu qu'il pousse, lui. Il reprend. Allez, on y va. Ah, ah puis tu sens vraiment la lourdeur des chars, c'est impressionnant. Allez, on y va. Tous ensemble. Parce que... Boum. Ah là, tu vas te faire... Ah, il a fait qu'une traque. Bon, bah, je crois qu'il va être pour nous. Quoique, non, il y a peut-être le T29 qui aura le... Ah, bien joué. T29 qui l'a eu avant. Par contre, pour l'instant, on se fait quand même dézinguer. Donc là, par contre, l'IS3, je l'ai mis en full. Hein. Canon, suspension, enfin, ah, okay. Chenille, tout le bordel. Hein. Là, lui, il est vraiment... Bon, par contre, pas l'équipage, donc. On a encore... Non, non, là, c'est beaucoup. Attends, toi. Toi. Il est oh, bien joué, ils ont foutu le... Non, ça a raté. Alors... Ah, merde. Oh, 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 les boons du turfu. Allez, on va sauver de là, par contre. Je vais essayer de maintenir en permaspot E2.
tire en mouvement. Oh, magnifique, en plus j'y ai éclaté la tourelle. Bien. Attention. Booms. Non, allez, deux mecs m'ont percé, normal. Ah, par contre là c'est. Ah merde, ça c'était pas prévu le T28, je l'avais pas vu. Non, j'ai raté mon tir, qu'est con. Oh, je suis un noob. Ah, je me suis complètement foiré. Ah, je me suis complètement foiré. Allez, 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 allez. Non, je vais me faire déglinguer par derrière. Non, non, je vais me faire déglinguer en fait. Tout court. Oh la vache. Ils m'ont fait mon chargeur. Vache. Je vais essayer de déglinguer. Oh non, l'ISP il va me déglinguer en premier. Ah, l'ISP il va me déglinguer. Non, dommage. Ah, dommage. Oh la vache. Oui, bah j'imagine, Damien, j'aimerais tellement jouer avec ton compte pour tester certains chars ultra rares. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Mais à savoir en plus que mon compte personnel est plus rempli que les comptes contributeurs. Bon, de toute façon, j'ai arrêté de leur demander les comptes parce que ça sert à rien. Oh, c'est un bot, ça. Ouais, bon, bah c'est con. On a perdu. Donc. Oh, attendez, veuillez patienter. Oh merde, une défaite. Oh, je suis déçu. Bon, un peu. Ah, ouais, 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 c'est. On est combien? Ah, en tout cas, ça, c'est remporté. Ça fait zizi. Hein. Donc, ouais, voilà, comme je disais, voilà, c'est celui-ci comme char. Alors, je sais pas si vous arrivez à. Moi, je connais pas trop encore. Hein. Donc, c'est celui-ci en char français qu'on a, mais c'est seulement dans l'événement, en gros, chasse avec la souris, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On free XP le. Ouais, il reste plus grand chose. Ouais, allez, on se fait plaisir. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, on a perdu, j'imagine. On va regarder ça. 3063 de dégâts, je suis dégoûté. Mais ça varie entre. Je vais voir un peu. 11h50. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Bon, c'est pas grave. Ah, d'ailleurs, je pourrais même free XP celui-ci. Et donc, ouais, voilà, l'IS7, il est là. Hein. Tu vois. Et par contre, il est marrant parce que je le trouve vachement plus étrange que votre Blitz. J'ai l'impression qu'au niveau du train de roue, il est plus serré. Regardez. Ça fait bizarre. Bon, après, c'est mon avis personnel. Hein. Du coup, nous. Ah merde, je l'ai pas acheté le 75 parce que je suis bête, moi. Peut-être que je l'achète. Il est où? T'es là. Combien il faut? Deux. Ah merde, j'ai pas assez. Ah, j'ai pas assez de toute façon pour l'acheter. Ah, ça c'est con, ça. Ça c'est très con. C'est le truc le plus con qui arrive. Donc en fait, j'ai pas assez de pognon pour l'acheter. Alors, le killer, salut à toi, le killer du 83 Théo. What Blitz, il y a le Burning Game, c'est moyen. Ah ouais, non, moi je suis pas du tout fan. Hein. Ouais, donc, oui, en compagnie, il est sur Android aussi, hein, tu peux l'avoir. Hein. Alors, Enzo, il me dit que c'est l'AMD 178B. Oui, possible. Oh, wow. Allez, on va retenter une game. Ouais, bah, en fait, il faut que je me fasse du pognon, la vache. Ça va être... C'est con parce qu'en fait on l'a débloqué, mais on l'a pas acheté, on peut pas l'acheter. C'est un peu con. C'est un peu con. Ouais, t'étais en solo comme tu disais. C'est pas une mouche, c'est une abeille. Alors, ah, on est sur une nouvelle map. Absolument, ouais. C'est bon ça. Ouais, bah de toute façon, c'est pareil, après je vais arrêter là. On va arrêter. Ouais, bon, je vais aller de ce côté-là. Tiens. Ils vont où? Ils y vont. Attendez, est-ce que je vais pas partir tout seul? Ouais, c'est bon. Tac, tac, tac. Bon, par contre, le seul truc qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les bras qui sont articulés. Voilà, on a bien l'effet de suspension, mais on n'a pas les bras. Par contre, je vais vous montrer un truc. Alors, je crois qu'on a des salles d'entraînement, parce qu'on m'avait posé la question s'il y avait des salles d'entraînement. Alors, je sais pas si on pourrait y jouer à plusieurs. En tout cas, ce qui est bien, c'est que si on fait... Bon, pour l'instant, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de Chinois, donc c'est assez difficile pour se comprendre. Mais en tout cas, on peut faire des pelotons à 3. Et il y a déjà le T28 qui est qu'à déglinguer le M41. Ok.
Du coup. Puis en plus, je vous parle avec un nez, une narine de boucher, c'est la galère. Voilà, excusez-moi. Oh, toi. Piou ! Mercredi, j'ai raté ça. Qu'est-ce que je suis. Des fois, je suis tellement pressé. Tu t'es fait piquer où ? Dans le jeu, je me suis piqué dessus. D'accord. Le problème, c'est que des fois, je veux tellement aller vite que je. Voilà, bah, ça fait déjà deux tirs bêtement que je rate. Bibi, tu déconnes. Allez, on prend notre temps. Voilà, bah, même de toute façon, en prenant notre temps, ça tire à côté. Et le pire, c'est que le mec, je pouvais y en coller au moins une. Allez, attention, suspense. Voilà. Eh ben non. Et le pire, c'est que j'ai tout raté. Et moi, je m'en suis pris une bêtement. Voilà. Bon, bah écoute. Regarde, c'est Monsieur Bizigu qui va l'avoir. Bah voilà. Et puis moi, bah, comme un couillon. Bon, merde. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Allez, Bigoufre, saisis-toi un petit peu, dis donc. Tu fais n'importe quoi, là, on douille. Espèce d'anguille. Oh, un cucu en plus! Un cucu? Coucou! Oh, je l'ai touché, c'est impressionnant. Magnifique. Ah, par contre, on peut pas faire de zone de dégâts en. Oui, vas-y, voilà. Attends, parce que toi. Va te faire chier. Voilà. Ouh. Qu'est-ce. Ah, ils sont tous là-bas. Hein. Je vais peut-être aller leur donner un coup de main parce que sinon. Allez. Oh oh oh. Non, toi, je peux pas t'atteindre. Non, lui, pour l'instant, c'est bon. Bon, les mecs, ils vont y arriver, hein, je pense. Hein. Ah. Ah, attention, ça monte. Oh non, pas un T28. Ah, quoique, tu me diras, le T28, lui, je peux lui faire mal. Sauf qu'il est vraiment derrière. Il est trop loin. Ah. Je suis peut-être par qui, moi. Par contre, c'est super dangereux, en fait, ce que je fais là. Parce que le T28, il a juste à s'avancer, puis il va me la coller dans le cul. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais. Bon, c'est la M41. Par contre, mon réservoir, tu abandonnes. Ou toi. Bon, allez. Ouais, ça c'était sûr. Est-ce que je peux le spotter ou pas de là? Non, c'est bon. Ouh, il y en a deux en plus. Bon, j'ai eu du bol pour l'instant. On va peut-être s'arrêter là. J'ai pas la dep. Ça y est. Ouh ! Ah la vache. Oh, bien joué, là. J'ai bien fait parce que sinon je suis dans la merde. Allez, on recommence. Toi, tu bouges pas apparemment. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Non. Oh la vache ! Oh, puis alors, c'est traîné d'obus, c'est impressionnant. Ouais, par contre, ça va être chaud. Ouais, je pense qu'il doit y aller à la PCR, c'est sûr. Parce que pour comment, pour la manière qu'il me perce, il me perce assez facilement. Désolé, je dois te laisser. Bah, salut Damien. Ouais, 5 à 5. Par contre, on a donc les deux qui sont là-bas. Alors, j'ai remarqué, hein, il y en a beaucoup qui jouent à fond. Bon, alors, je vais dire à la gold, façon de parler. Hein, mais ils jouent beaucoup avec les obus. Les obus qui coûtent très cher et qui font. Bon, les deux ont tiré, donc on va essayer de voir si on peut les détecter au moins. Allez, 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 s'il te plaît. Voilà. Bon, je fais gaffe, voilà. Lui, en fait, c'est lui qui m'emmerde. Est-ce que vous croyez que. Non. Bon, bah, c'est loin, celui-là. Là, par contre, je suis quand même en mauvaise posture, hein. J'essaye de maintenir le spot, mais. Salut Sèche 60i.
Oh, les mecs, ils sont full vie, quoi. Oh là, j'avoue, j'ai fait une partie de merde. Je peux pas dire essayer de me tirer de là. Je vais m'en prendre une direct. Voilà, du terrain de suite, ouais. Ouais, c'est ça qui est con. De toute façon, j'aurais dû m'en douter, j'étais perdu ma spot. Et Reski. Ah, bah c'est bon. Bon, allez, les amis, je vais vous montrer donc comment télécharger pour finir le jeu. Et on va se quitter ce soir. Pareil pour ceux qui arriveraient actuellement. Donc malheureusement, on va se quitter sur une défaite. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, on a eu des belles victoires. On a eu un petit peu de tout. Là, ça va. Alors. Ouais. Ah, puis en plus, j'ai fait une partie de brin à cul. Ouais, par contre, il a bien géré. Voilà, voilà. Ok. Alors, les amis, donc, comme je vous dis, pour ceux qui arrivent, donc là, c'est vraiment sur iOS, hein, tout simplement. Voici un petit peu les démarches à suivre. Donc, pour ceux qui n'ont pas notre Discord, hein, je vous invite à aller voir. Hein, c'est sur le à propos de la chaîne. Et vous allez, vous avez directement notre lien pour pouvoir vous connecter sur notre Discord. Donc, comment télécharger Tank Company sur iOS. Donc, attention, n'utilisez pas votre propre compte craignant à nouveau. Je ne vais pas vous dire expliquer comment créer un nouveau compte, ça vous savez le faire, hein, avec une adresse mail, etc., etc. Vous vous créez un nouveau compte, etc. Ensuite, donc, pour télécharger les conseils, donc, comme je vous le disais, de ne pas utiliser votre identifiant Apple personnel, vous pouvez utiliser d'un compte avec qui n'ont pas vos données personnelles, surtout iCloud. Voilà, je sais pas pourquoi ça... Je sens que même... j'arrive même plus à parler, moi, du coup. Discord, il bug aussi, hein, mais bon, enfin bref. Donc, pour accéder sur votre compte, il faut aller sur le menu en haut à droite et cliquer sur l'élément avec vos données ci-dessus. Donc, le voici, le voilà. Ensuite, après cela, vous allez dans l'onglet « Région et pays », donc « Country et région ». Excusez-moi, j'ai la tablette qui est tombée. Hop là, attendez, je la remets, voilà. Une fois que c'est fait, il faut tout simplement rechercher la Chine, Mainland, China Mainland, bonjour, King Mainland. Voilà, vous le sélectionnez. Après, pour tous ceux qui ont l'habitude, hein, vous acceptez les conditions. Donc forcément, tout sera en chinois, hein, ça c'est logique. Vous acceptez une nouvelle fois. Ensuite, vous êtes sur le point du paiement. Choisissez la dernière option, donc Noon, tout simplement. Voilà, donc bien sûr... Vous allez également créer votre nom et votre prénom, tout simplement. Donc, vous mettez un peu ce que vous voulez. Hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et après, dernier point, compléter une adresse de facturation, inexistante. Dans la première ligne, écrivez « John Ching Chong. Voilà, hein, vous avez tout compris. Nous avons rien écrit pour la deuxième ligne, la troisième ligne, quatrième ligne et cinquième ligne. Écrivez 21-44-00. À la sixième ligne... de la liste, recherchez les hiéroglyphes et sélectionnez-les. Donc, les voici. Regardez bien. Prenez un screen s'il faut. Hein. Absolument. Voilà. Et après, sur la dernière ligne, entrez un numéro de téléphone qui est... Voilà. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il faut mettre. Voilà. Donc, après, soit vous gardez le même nom, soit vous mettez un autre nom. Hein. C'est pas obligé de mettre ce nom-là. Et à partir de là, comme ils le disent, c'est tout. Vous pourrez avoir l'accès au... Donc, l'Apple Store, chinois, pour pouvoir aller le télécharger. Comment je peux faire ça ? Alors, par contre, donc, comme il dit, si vous avez tout bien fait... Non, Cassandra, tu vas pas faire ça à ce store-là. Les carreaux, ils sont pas faits. Donc, si vous avez tout bien fait et que si vous avez une erreur similaire, comme il le dit, alors le moyen le plus simple sera de créer un nouvel identifiant Apple qui indiquera la région, donc Chine continentale. Après avoir créé un nouveau compte, le problème disparaîtra. Vous pouvez télécharger le jeu sur votre nouvel identifiant Apple et revenir sur au jeu principal. Bien sûr, et c'est bien répété, nous vous recommandons pas non plus d'utiliser votre base de données d'identifiant Apple lors du téléchargement de ceux qui ont un abonnement Apple Music actif. Ceux qui ont cet abonnement, il est préférable de créer un nouvel identifiant Apple Apple à télécharger pour éviter les problèmes d'abonnement théorique. Donc, comme je l'avais marqué, un point très important, surtout ne le faites pas avec votre compte manipulation. Et comme je peux le dire et je peux vous le montrer, donc moi, mon Apple Store, il est là. Et bien sûr, tout mon Apple Store, moi, il est chinois. Voilà, le voici, le voilà.
Et d'ailleurs, je peux même aller chercher le jeu. Donc le jeu, il suffit de trouver le fameux logo qui est là. Ensuite, vous allez sur tous les jeux. Hip là. Voilà, donc là, on est vraiment sur le développeur pardon, en question. Et le jeu est ici. Donc ça, c'est la première phase, en gros, qui est assez simple. Hein. Franchement, le voici, le voilà. Il est là. Ah, il en manque une. Donc, hein, quand on voit le nombre d'étoiles, il est... Bon, il y en a certains, je pense qu'ils sont toujours pas contents. Hein. Mais en tout cas, voilà, le jeu est bien là. C'est bien celui-ci. Et là, je pense que chez eux, hein, il est pas en développement. Hein. Ça, c'est vraiment les mises à jour qu'il y a eu. La dernière, elle est à 5.9. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Je pense que tout est dit. Ok, maman colle. Alors, comme je le dis, les amis, hein, n'oubliez pas, vous aurez besoin systématiquement d'un VPN pour pouvoir y jouer. Sinon, les serveurs ne seront pas activés. Donc, il n'y en a qu'un de serveur. Donc, vous aurez besoin d'un serveur pour pouvoir activer le jeu. Mais après, il y aura une histoire de compte. Et là, c'est un peu plus compliqué. Je vais voir si j'ai le temps de faire des recherches. Moi, comme je le dis, hein, je remercie encore une fois de plus Yuri qui m'a permis de pouvoir me connecter. Parce que moi, j'avoue, j'ai commencé à galérer un petit peu. Sachant que eux, ils sont vachement plus violents sur les données pour pouvoir se connecter sur leur jeu à eux. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous aura plus ou moins aidé. J'espère que vous aurez apprécié ce live qui était en famille en plus. Hein, donc voilà. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je vous remercie à tous de votre fidélité, de votre soutien. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine aventure. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite, les amis.